Afin d'honorer mon mandat parlementaire de la manière qui me semble la plus appropriée, j'ai participé à la construction d'un nouveau groupe politique à l'Assemblée nationale. Ce groupe fait officiellement ses débuts ce jour sur la base d'un projet politique qui articule écologie, démocratie et solidarité. Il s'agit du plus gros groupe écologiste ayant jamais existé à l'Assemblée nationale. Avec 2/3 de femmes, c'est également un groupe de députés qui partagent un but commun, promouvoir et atteindre l'égalité politique, professionnelle, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. La crise du coronavirus a mis en lumière l'écrasement total du Parlement et des dysfonctionnements majeurs du nécessaire débat démocratique. Le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité fera des rôles constitutionnels du Parlement son combat, voter les lois, évaluer les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement. La crise du coronavirus a placé pour quelque temps l'urgence écologique au second rang. Le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, notre modèle d'agriculture et d'alimentation restent alarmants et doivent s'inviter dans les prochaines grandes orientations politiques de notre pays. La crise du coronavirus a mis en surchauffe notre système de santé et de recherche, révélant des failles profondes et anciennes sur lesquelles un travail doit être mené. Les conséquences de cette crise sanitaire qui n'est pas terminée sont multiples et parfois terribles, nécessitant de bâtir une nouvelle solidarité nationale. L'ambition du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité est à la mesure des défis de notre pays. La méthode se veut constructive, consciente des risques d'opposition stérile, consciente aussi de la nécessité d'une construction collective et citoyenne. C'est à la mesure de ces trois engagements pris dès 2017, écologie, démocratie, solidarité, que je compte poursuivre dans ce nouveau groupe mon mandat parlementaire.